Tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Donc il est 10h du matin. J'étais en train de me préparer, donc là je suis pas maquillée, pas coiffée, mais j'étais quand même en train de me préparer pour la deuxième journée de Video City Paris. Donc moi aujourd'hui je ne vais y aller qu'à partir de 12h30. J'avais des choses de prévues ce matin, mais c'est ça que je vous ai expliqué hier. C'est ce qu'en fait normalement à la base le matin j'aurais dû être sur le stand de Rose Carpet, il me semble. Que je vérifie. Ouais, j'avais rendez-vous sur le stand de Rose Carpet. Et en fait ce qui se passe c'est que on s'est rendu compte que c'était tellement dangereux Video City Paris, que ça soit pour nous que pour vous, que finalement on m'a refusé l'accès au stand Rose Carpet pour ce matin, parce que pour des raisons de sécurité ils avaient peur que le stand soit soit envahi et qu'il se passe des trucs pas très cool comme ça s'est passé hier visiblement. Donc du coup ils voulaient éviter. Ce qui fait que du coup ma journée va être découpée en trois parties. À 14h je dois être sur la grande scène pour faire une foire aux questions. Ensuite j'ai un photocall sur le stand de Rose Carpet, donc là tout dépend encore une fois de si ça se passe bien ou pas. Et pour terminer j'ai ma séance de dédicace de 17h à 18h30. Donc voilà. Donc je vous emmène avec moi, sachant que bon là il est que 10h du matin et moi je dois être là-bas. Enfin j'ai un taxi qui va me chercher à 12h30, donc j'ai genre largement le temps. Toi tu dois y être à quelle heure? Dans 20 minutes tu peux encore partir. À 10h30 j'ai ma première séance de dédicace. Là je vais mettre mon vlog en ligne. Dans 4 minutes il est en ligne et puis je vais partir maintenant pour la vidéo. Mais tu vas être en retard en fait? Non, je vais être à quelle heure est ta première séance de dédicace? 10h30. Non mais un quart d'heure, il est dimanche matin hein. Mais non mais tu vas être en retard là. Mais non, je serai pas en retard. Mais il est 10h09. Je serai pas en retard. Believe in me. I believe in you. I don't believe in you. In 15 minutes, j'y suis. À 25, j'y suis. Ouais. Je te jure. Mais là, je m'en occupe de ton vlog. Non, c'est bon, il n'y a plus rien à faire là. Je t'ai juste commandé le Uber. Ok. Coucou tout le monde, on se retrouve maintenant. Il est 12h10 et je viens de filmer mon haul parisien. Que j'ai fait rapidement en fait. Je suis assez contente de moi et j'ai hâte de vous le montrer. Je sais pas si ce sera ma vidéo de mercredi ou de vendredi. Tout dépend ce que je vais faire comme vidéo pour ma deuxième vidéo de cette semaine. Je sais pas encore. Si jamais vous avez des idées ou des suggestions, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je prends mon déjeuner, enfin mon déjeuner, mon midi. Des petites tartines avec du fromage de chèvre. Bon, donc, je suis prête bientôt pour partir à Video City. J'ai vu le live sur YouTube, ça a l'air super cool. Oh, je vais cracher. C'est dégueu. Ça a l'air cool. J'ai hâte d'aller sur la grande scène pour faire ma FAQ, j'ai trop hâte. Qu'est-ce que je voulais dire également? Oui, en ce moment j'ai pas mal d'envies de vidéos, mais je sais pas ce qui vous plairait, donc surtout n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Donc voilà pour ça. Mais écoutez, je vais finir de déjeuner, je sais pas tout ce que je vais manger avec ça parce que ça va faire un petit peu pas beaucoup je pense. On se retrouve en tout cas à Video City avec tout le monde, je vais essayer de vous montrer un maximum de choses dans ce vlog et c'est parti. Coucou, donc je viens d'arriver à Video City, jour 2. Et donc là pour moi ça va être la plus grosse journée. Donc là je vais faire comme hier, je vais vous filmer un petit peu à quoi ça ressemble. Est-ce qu'il y a plus de monde qu'hier? Alors il y a beaucoup de monde et plus de sécu. Pardon? Il y a beaucoup plus de monde et plus de sécu. Plus de monde et donc plus de sécu. Youpi. Bon ouais, c'est parti. Mais je le mets pas parce que je le trouve moche. Je voudrais mettre un badge rose, mais le badge il est jaune. Oh mon dieu! Mais j'ai même pas eu le temps d'arriver! Eh mais c'est l'hystérie là! Je suis même pas. Je viens d'arriver et elles sont déjà là au taquet, au taquet! C'est où? 200 bois! Ah vous voulez? En bas, moi je ferme derrière! Ça! Elles sont trop mignonnes! Putain mais en fait les gens ils se mettent tous contre les barrières quoi. Allez c'est parti, on va essayer de rentrer dans le carré juste derrière. Mettez-vous dans la sortie au milieu. Ok. Bon, hello. Doucement. Donc on est arrivé dans
j'essaierai de les retrouver après. Je fais plein de bisous. J'ai rejoint Sandrea. Ok. Hello. Ça va? Ouais. Hello les Centurions. Attends, moi j'en suis une, tu es là. Qu'est-ce que tu racontes? Alors attends, qu'est-ce que j'ai fait aujourd'hui? Est-ce que j'ai le cerveau en bruit? Mais j'étais au Tour Grosse Carpette, faire mon FAQ et les. Trop bien. Il y a Yoko qui est là avec Edou. Et Charlène qui vient de passer derrière. Mais c'est n'importe quoi, il y a trop de monde ici. Il y a trop de youtubeurs de partout. Et là les gens en fait, il y a des murs ici en placo. Et en fait les gens c'est des malades en fait, ils tapent contre le mur. Et depuis tout à l'heure ils jettent des trucs par dessus pour essayer de... Enfin je sais pas ce qu'ils font mais ils sont malades. Ça va? T'es fatigué? Hein? T'es fatigué? Non ça va. Ah ça va? Ouais, il y a des téléphones partout en fait. C'est abusé. Et là il y a des gens qui passent sur la scène. Mais je me demande si c'est pas Norman. Je crois que c'est Norman qui passe sur scène en fait. Il y a trop de monde ici. Ça va, j'ai fait ma séance de dédicace ce matin, j'ai trop de bruit là-bas. Et voilà, tranquille, toi t'as pas de trucs à faire maintenant? Ouais, je vais bientôt aller faire ma séance de dédicace, donc voilà. Ah, Yoko, elle a ramené le déjeuner, viens. T'as pas dit bonjour dans mon vlog aujourd'hui. Allô là. Oh Marie. Hello. Ça va? Hello. C'était trop bien ton live sur Cover Garden là. C'était trop cool. Oh merci. J'ai un cadeau. Oh. Non, c'était grave stylé. C'était trop bien. Et je crois les gens ils étaient contents. De ouf. En vrai on est sponsor par YouTube. C'est moi ces petits bonnets là. C'est cool. Moi j'en voudrais un gris. Ouais bah non. J'ai eu le rouge, c'est un gris. Le noir. J'avoue le noir c'est mieux. Bon, il est 13h50 et je vais aller sur la scène. C'est le parcours du combattant à chaque fois pour sortir de cet espace. Il me faut toujours plein de gardes du corps. Alors je sais que c'est pas rigolo ni pour vous ni pour moi, mais on n'a pas le choix. Donc c'est pour que tout le monde reste vivant et sans jambes cassées. A tout de suite. 3, 2, 1, 1, soleil. 1, 2, 3, soleil.
T'es folle. Combien de fois? 14. J'étais pas sûre. J'étais très dédicace. Bon, il est 17h, je vais aller à ma séance de dédicace. J'espère que ça va passer. Oui, oui, vas-y, viens. Je pars en dédicace. Au revoir. Hello. Exactement comme Beautycon en fait. Voilà, exactement. Ah mais c'est ouf, c'est trop trop bien. En fait là il y a des séances de dédicaces. Donc là il y a Emma, là il y a Elsa et Sandrea. Là je sais pas qui c'est. Ah bah c'est moi. Énorme la meuf. Je vais aller voir les gens là-bas. Alors attendez, je récupère tout ça.
êtes trop mignonne. Merci beaucoup. C'est pour moi tout ça? Ah, vous êtes trop gentil, merci beaucoup. Alors, coucou tout le monde. Donc, j'ai réussi à signer, enfin à signer, à faire quasiment toutes les photos. Malheureusement, on doit arrêter parce que j'ai plus le temps. On m'a demandé de partir. C'est trop ouf, hein. J'ai une vieille mèche là. C'est trop ouf l'ambiance ici. Merci à tous ceux qui sont venus. Je suis désolée à toutes celles qui je peux pas faire des photos malheureusement, mais pour des raisons de sécurité, le salon va fermer. Je dois partir. Je vous fais plein de gros bisous. Merci tout le monde et je vous retrouve tout de suite. Emma, tu m'as pas dit bonjour et t'as pas dit bonjour au vlog. Salut le vlog. Donc j'ai reçu trois cartons de cadeaux, c'est juste trop cool. Merci beaucoup de tous vos cadeaux, ça me fait trop trop plaisir. Et j'ai hâte de rentrer à la maison pour pouvoir les déballer, même si je sais un peu ce qu'il y a dedans. Et je vais vous montrer un petit peu tout ça quand j'arrive à la maison. Donc je viens de rentrer du restaurant avec la team Rose Carpet, c'était super bon, je mangeais mais comme une grosse, c'est n'importe quoi. Donc avant de terminer ce vlog, on va enfin pouvoir vous parler Annie et moi sans que personne ne s'en mêle et qu'on soit tous les deux pour vous en parler. Je sais même pas par quoi commencer en fait. Mais je pense qu'il n'y a pas grand chose à dire en fait, la situation elle est comme ça, c'est que c'est effectivement Marie a énormément de choses à faire ici par rapport à... Non mais attends, mais qu'on résume la situation quand même parce qu'il y a plein de gens qui n'ont pas suivi. Globalement pour résumer, effectivement, il y a plein de gens qui ont vu quand même, à tes souhaits. En fait plein de gens ont dit oui, ils sont plus ensemble et blabli et blablou. Mais en fait à la base c'est parti de gens qui ont commencé à poster des commentaires sous les photos Instagram. Après c'est allé sous les vlogs d'Annie. Et carrément encore et toujours des magazines people. Et encore aujourd'hui, enfin bon bref, pour résumer la situation. Mais non mais enfin vraiment, mais ils ont plus de sous quoi. Donc voilà, tout ça pour dire que effectivement Marie a énormément de choses à faire ici à Paris. Moi j'avais des trucs à faire aussi à Genève et ici il n'y a pas de connexion internet ou du moins une mauvaise. Ici pour charger mes vlogs et mes vidéos je le fais avec la 4G de mon portable. Voilà, donc moi effectivement avec la sortie de Black Ops etc, je pouvais juste pas par rapport à mes vidéos à rester ici parce qu'il n'y avait pas de connexion, je pouvais rien faire que ce soit les lives, les vidéos à uploader parce que mes vidéos sont très très lourdes à uploader, donc c'était juste pas possible. Donc voilà pourquoi je suis retourné à Genève, pour voir pourquoi aussi là on se voit. Et l'autre raison c'est parce que moi mes entraînements de danse avec les stars ça me prend toute la journée, je pars des fois à 8h le matin, je rentre à 22h le soir, et à un moment c'est pas très rigolo pour Anil de me voir partir le matin et de me voir arriver le soir hyper fatiguée et pas profiter de se voir. Exactement. Et voilà, et donc pour toutes ces raisons on a juste décidé que pour le moment, pas qu'on se séparait hein, parce que du coup on l'a pas dit encore, mais enfin on s'est pas séparés ni quoi que ce soit hein, c'est juste qu'on avait, enfin on a jugé plus intelligent c'était de faire comme ça pour le moment. Plus intelligent parce que honnêtement, on va pas vous, pour le coup, on va pas vous mentir. C'est vrai que moi, quand je rentrais de mes entraînements, c'était pas la joie, tu vois. Effectivement, on se prenait la tête parce qu'on. C'était pas très agréable. Effectivement, on se prenait la tête parce qu'on était triste de pas se voir parce qu'on avait envie de passer plus de temps ensemble et qu'on savait que ça allait pas être possible. Et donc, du coup, pour pallier à tout ça, on s'est dit que c'était mieux si pour l'instant on restait loin l'un de l'autre et que du coup on profitait deux fois plus des moments où on se voyait. Exactement. Parce que c'est bien plus important. Et aussi, voilà, on a chacun nos projets à faire de nos côtés. Toi, t'as tout ça, t'as plein de trucs qui arrivent, ouais. Comme t'as annoncé tout à l'heure sur live, sur la scène, etc. Moi, j'ai plein de trucs aussi qui arrivent parce que. Là, ma chaîne de vlog me prend aussi beaucoup de temps maintenant. Mais oui. Donc voilà, donc on a décidé de faire comme ça. Et un sujet sur lequel je voulais absolument revenir, je ne suis absolument pas jaloux de monsieur Yann Elric. Oui. C'est de la danse, c'est un show, c'est la télévision. C'est son métier, voilà. c'est son boulot d'être exactement. C'est, voilà, donc il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Je sais très bien que tout ça c'est pour la télévision, il n'y a absolument rien qui m'inquiète. Donc voilà. Tout ça pour dire que. Et puis pour la Paris Games Week, les simples bonnes raisons pour lesquelles Annie n'est pas venue. Le soir dormir à la maison, c'est parce que moi des fois je rentrais, j'étais pas là quoi. Voilà, j'ai pas là tout simplement, j'ai pas pu aller à la Paris Games Week parce que j'étais en entraînement. Voilà. Et le reste du temps j'avais aussi des rendez-vous à côté. Et parce que Anil c'est aussi son truc la Paris Games Week, et puis il a vu ses potes, t'as vu Is, t'étais avec, avec tout le monde. Donc voilà, c'était chouette. En tout ça pour dire, vas-y. Non mais moi ce qui m'embête c'est qu'effectivement on a fait le choix de vous montrer notre vie privée, mais honnêtement moi je vous le dis, je... Enfin, c'est terminé quoi. Enfin, ça, cette histoire là, ça m'a vaccinée. C'est dommage que ça en arrive à ces trucs. Franchement, j'ai plus envie de me faire insulter sous les vlogs d'Anil.
c'est pas nous ça nous a fait vachement mal parce qu'en fait on s'est rendu compte qu'on ne peut absolument rien. On peut plus avoir de vie privée, c'est plus possible. On est obligé de s'expliquer sur absolument tout ce qu'on fait dans le vlog que j'ai posté hier. Oui. Ah oh ouais. Alors ça. Non mais attendez, on va vous dire ce qui s'est passé parce que c'est à mourir, mais c'est. On était. Oh, mais les gens. Ça va. On était à. Au sushi. Non, mais... Et en fait, j'ai dit. Ah mais ce matin quand on s'est réveillé, on pleurait de rire. J'ai dit les gens pensent qu'on n'est plus ensemble. Et Marie m'a répondu non. Et en fait, on entend juste on n'est plus ensemble. Et non. Et elle a répondu non. Bon bref. Et ce matin quand on s'est réveillé, il y avait genre un débat de 35 000 tweets. Je me retourne vers Anil et j'étais sur mon téléphone, je fais t'as vu ou... Et en fait, les gens ils ont fait des spéculations. Genre, regarde à telle minute, elle est en train de dire ça. Et nous, on s'est regardé genre, waouh, ça va vraiment trop loin. Et voilà, pour finir tout ça, arrêtez de spéculer. Nous, on vous dira la vérité, quoi qu'il arrive. Ça. Elle viendra de nous. Et voilà, c'est juste que les choses sont comme ça en ce moment. Et que c'est pas parce qu'on vous parle pas. C'est pas parce que. Parce que vous ne voyez pas ensemble dans les vlogs. C'est pas parce que vous ne voyez pas ensemble dans les vlogs. C'est pas parce qu'on vous parle pas de notre vie privée. Honnêtement, ça nous a calmé, hein, franchement. Ah mais non, mais moi, ça, enfin, moi je le dis, je suis encore d'accord pour faire des vlogs, mais je. Et l'engouement. Moi, j'ai plus du tout envie de, enfin, honnêtement, ça m'a coupé l'envie de montrer ma vie avec toi, tu vois. Mais c'est sûr. Bah maintenant. Enfin, maintenant, on a vraiment envie de garder ça pour nous. On a plus du tout envie de l'exposer parce que à chaque fois qu'on l'expose, on fait le buzz quoi. Enfin, l'engouement qu'il y a autour de notre couple, qu'on voit, que ce soit les Pure People et tous les magazines à la con, etc. Closer. Tous ces trucs là, nous mais... on comprend juste pas parce qu'on est, ok, on est un couple. Mais en fait, on a les mêmes problèmes que n'importe quel couple dans la vie de tous les jours. Sauf que nous, vous nous voyez sur internet, voilà. Grave. Donc bref, tout ça pour dire que voilà, nous on a chacun nos trucs de nos côtés, donc on aimerait honnêtement la paix, ça ne sert à rien que ça continue. C'est ça en fait, on aimerait avoir la paix et ouais. Moi je sais déjà ce qu'on va me dire dans les commentaires, je sais déjà que les gens vont dire ouais mais vous avez choisi de vous exposer, bien j'ai sûr, déjà répondu à ça. Bien sûr qu'on a choisi de s'exposer, bien sûr qu'on a choisi de montrer notre couple, bien sûr qu'on a choisi de montrer tout ça. Mais je veux dire, il y a un moment, il faut, enfin je pense qu'il faut aussi voir la limite des choses et comprendre que si nous depuis quelques temps on essaye de plus montrer autant dans les vlogs, c'est parce qu'on a envie, enfin on a envie de garder notre vie privée, voilà. On a envie de ou en tout cas de se préserver un maximum parce que mine de rien, moi je vous le dis hein, tout ça c'est en train de nous détruire Anil et moi, vraiment. Et enfin vraiment la toutes les polémiques qui est autour de nous, les insultes qu'on reçoit, genre moi qu'on vient me dire que je suis que j'ai pris la grosse tête, que je me suis servi d'Anil, enfin mais des trucs, j'ai pu lire des trucs comme ça. Mais j'étais choquée quoi, enfin ça fait un an qu'on est ensemble et ça se passe bien et j'ai pas envie que nous on commence à se poser des questions tous les deux l'un par rapport à l'autre parce qu'on a vu des trucs sur... Parce que ce que vous vous rendez... Enfin les gens se rendent pas compte mais nous à force de lire des choses comme ça, ben on se pose des questions qu'on devrait même pas se poser, tu vois. Non, voilà, et ça nous monte la tête quoi. Il y a toutes ces histoires du fait qu'effectivement... pourquoi je vais pas au Prime, pourquoi je vais pas ici, pourquoi je vais pas là, parce que tout simplement cette dernière semaine j'ai fait la Paris Games Week, la sortie de Call of Duty, tout etc. Donc pour le moment c'est juste pas possible et en plus je suis à Genève, c'est pas à porte à côté non plus, c'est pas loin non plus. Mais effectivement, et je tiens quand même à dire une chose pour finir sur une autre petite, il y a quand même beaucoup de gens qui disent laissez-les tranquilles, c'est leur vie. Donc voilà, je tiens à finir sur ça. Merci à toutes ces personnes là voilà. Qui ont un minimum de respect. Donc maintenant on s'attend juste à une chose, c'est que franchement, enfin, je dis pas faites la paix, mais laissez-nous en paix avec ça. Donc maintenant vous savez tout, il n'y a plus rien à spéculer. Les choses avancent, la vie avance, et ce n'est pas parce qu'on n'est pas au même endroit qu'on n'est plus ensemble. Tous les gens qui n'habitent pas ensemble, tous les gens qui font des relations à distance, voilà. On va pas les faire chier quoi. Donc, voilà. Mais bon, je pense que c'est nécessaire qu'on vous dise ça dans un vlog. Mais moi des fois j'avais des tweets genre hyper agressifs du style tu pourrais arrêter de nous mentir s'il te plaît et nous dire la vérité. J'étais là, mais quelle vérité les gars, j'ai juste envie de garder ma vie privée, tu vois. On va pas vous dire à chaque fois qu'on s'en prend la tête quand même. C'est comme si à chaque fois que j'allais aux toilettes, je vous le disais en fait. Ouais. Le but d'un vlog, c'est... que je vous poste un tweet, à l'heure actuelle. Le but d'un vlog, ce n'est justement de pas faire de la télé-réalité, mais qu'on vous montre ce qui est agréable à regarder, tout simplement. Je voulais faire le canard, ça a pas marché. Bon bref, tout ça pour dire que normalement ce que vous avez entendu là, vous avez entendu dans les deux vlogs, que ce soit le sien. Pardon. Le sien ou le mien. Donc voilà. Fin de l'histoire.
Ouais, en fait, on va répéter tout ce qu'on vient de dire dans le vlog d'Annie. Ouais, mais moi, ce sera résumé parce que. Grave. On a compris le principe. Bref, bon, écoutez, je termine moi de mon côté parce que c'est mon vlog. bon, bah écoutez, voilà, j'espère que ce vlog vous a plu. Ah oui, c'était ça que je voulais dire aussi par rapport à la Video City. C'était la première édition. Je pense que l'année prochaine, ça sera mieux organisé. C'est un peu le fouillis, ouais. On a fait un peu le débrief ce soir avec l'équipe de Rose Carpet. Il y a des choses qu'il faut modifier, il y a des choses qui ont été mal faites, mais il y a aussi des choses qui ont été faites sublimement bien et c'était cool. Donc encore une fois, merci à toutes les personnes qui sont venues. Ça, franchement, moi j'ai trouvé ça génial de pouvoir vous rencontrer aujourd'hui, ça m'a fait vraiment très plaisir. Et j'espère qu'on aura l'occasion de réitérer ça l'année prochaine et très rapidement. En tout cas, si ça a lieu l'année prochaine, moi je serai là, c'est sûr et certain. Toi aussi, Doud? Yes. Yes. Écoutez, bah sur ce, moi je vous fais des bisous. On va aller se coucher parce que bah demain j'ai entraînement pour Dancing with the Stars. Et voilà. On vous fait des bisous et je vous dis à demain. Oh, est-ce que je filme demain? Non, je filme pas demain, je pense. Enfin, je sais pas. Toi, tu filmes de toute façon. Tous les jours. Bisous.